à cette filière. Et puis, bah, c'est une position qui, dans toute cette évolution, est restée fortement protégée, à la fois avec les outils comme le tarif régulé, avec plus récemment le tarif AREN, hein, c'est-à-dire le tarif pour l'achat par des concurrents d'EDF à un prix garanti de l'électricité fournie par le parc nucléaire historique. Donc voilà, différents instruments qui préservent autant que possible le quasi-monopole d'EDF dans, ça n'apparaît plus, mais dans le cadre évidemment d'un voilà, c'est là d'une évolution très forte du contexte dans lequel EDF évolue, en particulier sous l'impulsion de la déréglementation du secteur électrique européen avec différentes directives, dont la principale a été transposée en 2000 par une loi dont le nom dit beaucoup de choses, une loi de modernisation et de développement du service public de l'électricité. C'est le nom qu'on a donné, et Bettina s'en souvient sans doute très bien, à une loi qui était en fait la transposition de la déréglementation du secteur électrique en France. Les évolutions plus récentes, c'est en 2004 la transformation du statut d'EDF, d'EPIC, en société anonyme, et puis l'ouverture, qui venait assez naturellement après, l'ouverture du capital d'EDF, même si l'État conserve près de 85% de ce capital via l'Agence des participations de l'État. Et puis voilà, l'évolution d'EDF, elle nous amène à la situation actuelle, qui est vraiment, je pense, de manière de plus en plus évidente, une situation de crise. Un modèle économique menacé, en fait un piège politique d'une certaine manière autour des tarifs régulés et de la promesse sans cesse renouvelée d'une électricité facturée pas chère hein, aux consommateurs, hein, qui fait que le relèvement des tarifs régulés est un tabou et que ça prive de plus en plus EDF de la capacité d'investir, quels que soient les choix d'investissement, dans le système électrique, et puis progressivement une situation financière d'EDF qui est de plus en plus difficile, un endettement très lourd, un cash flow régulièrement négatif. Cash flow, c'est-à-dire bah, c'est, en fait, c'est la, c'est la, ça oui. traduit la capacité d'autofinancement, d'autofinancement. De l'entreprise. Donc ça veut dire négatif, quand c'est négatif, ils sont obligés d'emprunter. Bah, un cash flow négatif, c'est le signe d'une mauvaise gestion, théoriquement. C'est une perte Ceci dit, il est négatif. Il est négatif y compris parce que l'État prélève des dividendes et oblige même certaines années EDF à contracter des dettes pour verser des dividendes prévus au budget de l'État. Donc situation financière critique alourdie bien sûr aujourd'hui par la nécessité du sauvetage d'Areva et puis des perspectives très difficiles sur le marché. Les parts de marché d'EDF vont être difficiles à préserver. Et la compétitivité de sa production électrique est de plus en plus délicate sur les marchés européens. Et du coup, il y a une alerte croissante. Il y a eu, notamment mi-décembre, c'est passé tout à fait inaperçu, alors que c'était médiatiquement, alors que c'était, c'est vraiment une bascule fondamentale, un droit d'alerte de l'ensemble des syndicats, unanimement au comité central d'entreprise d'EDF, sur la situation de l'entreprise, les syndicats qualifiant les choix de la direction d'impasse industrielle. Et puis, y a une alerte évidemment des milieux financiers, l'action d'EDF n'arrête pas de dégringoler, et de plus en plus, heureusement, une alerte du monde politique. Donc ça, c'est la situation côté d'EDF, et puis parallèlement à ça, on a, alors je l'ai appelé le présent, puisque la transition énergétique est un projet, à mon sens, encore en construction, mais en fait, c'est... plutôt l'histoire des quelques dernières années, un processus de construction de ce projet de transition énergétique qui, à mon sens, s'inscrit dans le champ des communs dans la mesure où c'est un projet de transformation du système énergétique face aux enjeux du changement climatique, de l'épuisement des ressources, du risque d'accident technologique majeur, etc., qui est un processus qui a été politiquement pris en charge par l'État avec... une séquence politique qui a commencé en 2011. Là aussi, je me souviens qu'on avait à l'époque un peu les mêmes termes que ceux que Bettina a employés tout à l'heure vis-à-vis du lien entre les attentats et la dynamique positive de la COP21. Malheureusement, la catastrophe de Fukushima a ouvert un espace de débat sur la question énergétique et sur la question nucléaire en France.
Cet espace, en plus, a coïncidé avec toute la dynamique de la campagne présidentielle, un engagement de François Hollande de réduire la part du nucléaire à l'horizon 2025 à 50%. Et puis, une fois qu'il a été élu, il a mis en place un grand débat national sur la transition énergétique, auquel il a malheureusement pas donné toute la publicité politique ou la visibilité politique nécessaire, mais qui est en tout cas un débat. Alors j'étais membre du secrétariat général du débat à l'époque au sein du cabinet de la ministre de l'écologie, mais voilà, ça a mobilisé en termes de dispositifs de concertation vraiment des outils nouveaux et voilà, en essayant d'assurer la concertation institutionnelle, c'est-à-dire des acteurs. Les collectivités, les syndicats, les entreprises, etc., mais aussi une vraie mobilisation, une concertation territoriale, une concertation citoyenne avec différents dispositifs très innovants, et ça a produit vraiment des orientations très fortes sur un retour sur non seulement la compréhension par la société française de la nécessité de cette transition énergétique, mais aussi un retour sur l'opportunité, ou en tout cas l'envie d'aller dans cette direction, à condition que l'ensemble des acteurs, évidemment, se mobilisent et aillent dans la même direction. Et puis, au-delà du débat, il y a eu le processus parlementaire, la préparation de la loi, un long temps de débat parlementaire et, in fine, l'adoption en août de cette loi, renvoie aussi au champ du marché, puisque elle porte bien sur différents éléments de transformation, des modes de production, des modes de consommation d'énergie, et donc des biens, des équipements, des services, des infrastructures. Enfin, les politiques et mesures prévues par la loi, même si il y a énormément de trous et d'insuffisances, couvrent un ensemble, un champ qui touche bien à l'ensemble de notre économie et donc des marchés. Quelques éléments simplement pour remettre en tête les orientations, disons, dont on parle avec cette loi de transition énergétique. D'abord, parce que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec la situation énergétique française. Ça, c'est la situation de 2011. En fait, c'est un extrait du dossier du débat national de transition énergétique, mais elle a assez peu changé depuis. C'est d'abord, même si on se focalise sur le nucléaire, une forte dépendance aux énergies fossiles. En gros, c'est 80% au niveau mondial et en France, on est à 70%, ce qui se traduit notamment par une facture énergétique importante en termes d'importation, et puis par un niveau d'émissions de gaz à effet de serre très supérieur à un niveau soutenable. Et en gros, et ça, c'est pas le DNTE, c'est déjà dans la loi depuis 2005, on a un objectif facteur 4 sur nos émissions, donc division par 4, qui correspond grosso modo à l'objectif qu'on retrouve aujourd'hui à 2050 dans l'accord de Paris. Donc c'est la contribution française à une trajectoire à peu près conforme aux 2 degrés. On a en même temps cette dépendance à 80% pour l'électricité à un parc nucléaire qui en plus est vieillissant, et puis un besoin général de renouvellement des infrastructures énergétiques, plus des problèmes de précarité énergétique croissante, etc. Donc il y a la transition énergétique, en tout cas là. L'hydroélectrique, il est où là-dedans? L'électricité, l'hydroélectrique? L'hydroélectrique, il est ici. 2%. Attends, je vois pas. C'est peu alors. 2%. C'est 2%. 2% de la consommation finale d'énergie. D'accord. En consommation finale, on distingue entre énergéticiens la consommation primaire, c'est-à-dire mesurée en termes de contenu de ressources énergétiques, et la consommation finale mesurée en termes de produits énergétiques transformés qui nous sont livrés comme consommateurs. Donc c'est le carburant à la pompe, l'électricité, etc. Et donc dans le bilan énergétique français, vu au niveau des consommateurs, l'électricité c'est 22%. Et donc, dans cette électricité, il y a une part d'énergie renouvelable, une part d'énergie fossile et une part de nucléaire. En fait, les renouvelables sont ce serait plus juste de dire 2,5, mais on avait arrondi à des pourcentages. D'accord. Dans les 2,5, il y a l'hydraulique, ça. Oui, c'est l'hydraulique, essentiellement. Puisque en 2011,
L'éolien et le photovoltaïque se sont un peu développés depuis. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas grand-chose autrement. Non. On a un peu développé depuis l'éolien et le photovoltaïque, mais vraiment très peu. Et justement, parce que ce n'est pas compatible avec la situation d'EDF. Parmi les éléments très intéressants dans le débat national sur la transition énergétique, il y a eu une discussion assez approfondie et construite sur les trajectoires de transition énergétique compatibles avec les différents objectifs. Et je vous refais pas l'ensemble, mais en gros, si on se situe dans l'arbre à droite, donc des trajectoires de transition, le travail des experts a identifié deux grandes familles. Une famille qui est sur 20% environ de baisse de la demande d'énergie finale à l'horizon 2050, et une famille beaucoup plus ambitieuse, avec de l'ordre de 50% de baisse sur la consommation. Autrement dit, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre le paquet sur la maîtrise de l'énergie, et d'autres qui disent qu'il faut le faire, mais on ne peut pas en faire trop, parce que ça va contre la croissance, ça va contre le confort, ça va, etc. etc. Et cette différence-là est de premier ordre par rapport aux différences sur les choix de production. Et ensuite, dans chacune de ces deux familles sur la demande, il y a des choix de production différents, en gros avec plus ou moins de mix sur les énergies non carbonées, nucléaire et renouvelable, et dans les quatre familles, il y avait donc dans la demande moins 20% une famille de scénario avec une forte priorité au nucléaire, une famille avec plutôt un mix nucléaire-ENR, et puis du côté forte action sur la demande, idem, un mix ENR nucléaire et un scénario avec une forte priorité renouvelable. J'en profite pour faire la pub, puisque c'est le scénario de l'association Negawatt dont je suis membre, et j'ai été un des coordinateurs de ce travail qui, je pense, a vraiment bien alimenté le débat et la réflexion sur, et y compris ce qu'on a aujourd'hui dans la loi. Ce qui est important et ce qui est ressorti de cette comparaison des trajectoires, c'est que quand on regarde l'impact, pas seulement au niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'énergie, mais sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre françaises, c'est-à-dire en tenant compte des limites de ce qu'on peut faire sur l'agriculture par exemple, il n'y a que les scénarios qui vont jusqu'à environ 50% sur la demande qui permettent de répondre au facteur 4 sur les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, pour permettre une substitution suffisante des énergies non carbonées, enfin des énergies fossiles par les énergies non carbonées, il faut commencer par contraindre le niveau d'énergie à fournir et le contraindre fortement à ces niveaux-là. Pour que je comprenne bien. Ouais. Quand on dit moins 50%, ça veut dire quoi contraindre? Ça veut dire. Ça veut dire deux fois moins de consommation d'énergie à l'horizon 2050 par rapport à aujourd'hui. Donc ça, c'est. J'y reviens dans un moment sur ce que ça veut dire. Deuxièmement, c'est la même comparaison, mais il y a eu un exercice de chiffrage économique très basique. En gros, ce qu'on gagne sur la facture énergétique versus les investissements à un niveau très macro que ça demande, et il ressortait que les trajectoires les plus ambitieuses, compatibles avec les objectifs climatiques, sont aussi celles qui demandent le plus d'investissement, mais qui offrent, entre guillemets, le plus de retour sur investissement à long terme. Alors, quand on parle de maîtrise de la demande, et c'est justement ça qui est important, et une nouveauté peut-être dans le débat, c'est en fait derrière ça, il y a un changement de paradigme qui est d'ailleurs traduit par l'objectif, dans l'article premier de la loi, qui dit bien que la transition énergétique, c'est la sobriété, l'efficacité et le développement des renouvelables. Et ça correspond en fait à une logique où on regarde l'ensemble du système énergétique en changeant de perspective. D'habitude, on le regarde en partant de la gauche, à partir des ressources énergétiques, et puis on regarde toutes les transformations jusqu'à l'énergie finale, c'est-à-dire l'électricité ou le carburant qui vous est livré. En fait, ce qui compte vraiment, la raison d'être même d'un système énergétique, c'est de fournir des services énergétiques. C'est-à-dire, c'est de nous chauffer, de nous déplacer, d'avoir de l'électricité, etc. Et donc, toute la réflexion qui est derrière la transition énergétique, c'est de partir de cette notion de service énergétique à rendre et d'appliquer ensuite toute l'intelligence possible, individuellement et collectivement, à trois niveaux. Le premier, c'est sur les services effectivement rendus, c'est-à-dire éliminer des consommations d'énergie qui ne rendent pas réellement de services énergétiques. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette intelligence sur les usages, c'est ce qu'on appelle la sobriété.
Deuxièmement, avoir toute l'intelligence possible sur toute la chaîne, sur les modes techniques, sur les rendements énergétiques. Ça, c'est l'efficacité énergétique. Et puis, troisièmement, mettre de l'intelligence sur la ressource en substituant les filières énergétiques pour la production. Donc voilà, ça, c'est ce qui est sous-jacent au projet de transition énergétique. C'est bien une réflexion globale sur l'énergie dans ce sens. Alors, ça s'est traduit par un certain nombre d'objectifs chiffrés sur une trajectoire dans la loi de transition énergétique. Et je le mentionne simplement pour faire référence à l'objectif qui est en bas, qui est donc le 50% de nucléaire dans la production électrique contre près de 80% aujourd'hui, à l'horizon 2025, qui était l'engagement du président de la République et qui est donc resté dans la loi. Et puis on a en 2050 ces deux objectifs, moins 75% sur les émissions de gaz à effet de serre, donc on retrouve le facteur 4 hein, qui est maintenu évidemment dans cette loi, et puis moins 50% sur la consommation d'énergie, puisqu'on a eu cette conclusion que c'était nécessaire pour atteindre le facteur 4. Alors une fois qu'on a dit ça, on a donc une loi qui, au-delà de ces objectifs chiffrés, embarque tout un tas de mesures. Parmi les points intéressants, il y a le fait que la loi reconnaît pleinement la dimension territoriale de la transition énergétique, et ça c'est complètement logique. Quand vous voulez mobiliser des potentiels de réduction des consommations d'énergie, vous allez travailler sur l'aménagement du territoire pour réduire les distances à parcourir, vous allez travailler sur les bâtiments, sur la rénovation thermique pour réduire les consommations de chauffage, vous allez travailler sur des circuits économiques courts, etc. Donc ça se joue bien complètement dans les territoires. Et puis, de la même manière, sur la production d'énergie renouvelable, ben, vous allez aller chercher localement les potentiels éoliens, photovoltaïques, biomasse, etc. Donc cette dimension territoriale, elle était évidemment indispensable. C'est juste pas simple et pas trivial dans le contexte français, dans la tradition jacobine et hyper centralisatrice, particulièrement dans le domaine de l'énergie, avec le corps des mines pour en être le garant pratiquement depuis sa création. Deuxième élément intéressant, le fait qu'on retrouve ou qu'on renforce même, en cherchant à leur donner une vraie cohérence globale, etc., des mécanismes de planification nationale intégratrice. Ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Mais il y a bien cette idée que l'État a un rôle dans le fait de fixer globalement à un horizon de temps moyen la trajectoire à suivre. Un élément vraiment essentiel, à mon sens, à souligner, c'est que, en fait, politiquement, il y a un échec au cœur même de la raison d'être de cette loi de transition énergétique. Souvenez-vous, hein, on avait le Grenelle, on avait déjà beaucoup de travail avec la mise en œuvre du Grenelle, ça aurait suffi d'une certaine manière. La raison pour laquelle on a eu une loi de transition énergétique, c'est que l'engagement de réduire la part du nucléaire impliquait le fait de doter le gouvernement de la capacité de fermer des réacteurs pour des raisons de politique énergétique, qui n'existe pas dans le droit français actuel. Et pour ça, il fallait passer par une loi. Et le constat, c'est que la loi ne contient aucun dispositif de ce type. Et donc, clairement, le constat politique, c'est que c'est EDF qui a, sur ce point, imposé sa volonté à l'État, et non l'inverse. Je ne sais pas si Bettina me contredira, mais je pense qu'on peut vraiment raisonnablement avoir cette lecture cynique de la chose. Et au-delà de ça, plus fondamentalement, il y a une impasse politique, puisque le débat, que ce soit le débat national de transition énergétique ou le débat parlementaire, a vraiment buté sur toute tentative d'éclairer la trajectoire du parc nucléaire, c'est-à-dire la manière dont on allait aller vers ce 50% en 2025, et a fortiori les conditions de sa mise en œuvre. Et donc, voilà, on a ce problème qui a... on a buté de ce fait sur la construction d'une trajectoire et donc la construction d'un projet. Ça m'amène donc à ma dernière partie, qui est l'avenir politique, en tout cas, de la nécessité de résoudre
ce que je considère être une contradiction profonde aujourd'hui, et puis pour ça de réinventer un modèle. Pour ça, je vais revenir un moment sur la stratégie poursuivie par EDF depuis au moins depuis 2008, qui est en France de prolonger le parc nucléaire existant au-delà de 40 ans, et puis de développer son activité nucléaire internationale avec des projets aux États-Unis qui sont abandonnés aujourd'hui, en Grande-Bretagne qui sont peut-être en passe d'être abandonnés, mais en tout cas voilà, une volonté d'expansion à l'international qui en fait était un projet pas seulement d'EDF mais de la filière nucléaire française. Et l'idée, c'est aussi la création d'Areva en 2001, hein, c'est d'aller chercher à l'international des relais de croissance pour financer des coûts qui s'annonçaient de manière prévisible croissante pour la poursuite du programme domestique. Évidemment, cette stratégie conduit à un échec massif, puisque l'échec des projets d'exportation ou d'expansion à l'international, en fait, s'est retourné en fardeau, hein, en perte énorme sur le projet de paix finlandais, par exemple, etc. Et donc, ce fardeau, en retour, ampute la capacité d'investissement dans le système énergétique national. En gardant en tête par ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure sur les tarifs régulés qui ne permettent pas à EDF de reconstituer sa capacité d'investissement. Par ailleurs, bah, la falaise des 40 ans du parc nucléaire français, elle n'a pas été anticipée, puisqu'on a au contraire retardé l'échéance de décision, donc elle n'a pas été anticipée ni industriellement, ni financièrement, ni énergétiquement. Juste pour vous situer un peu ce que ça peut représenter, vous avez ici en bleu une courbe qui représente la production à venir du parc nucléaire si on arrête chaque réacteur le jour de ses 40 ans. D'accord ? Les points B et C correspondent grosso modo à 50% de nucléaire dans la production française ou dans la consommation française d'électricité à l'horizon 2025, selon les projections raisonnables qu'on peut avoir de l'évolution de la consommation. D'accord ? Donc, en gros, le respect de l'engagement de la loi sur 50% en 2025 il se situe quelque part entre B et C. Et puis bah, derrière, la loi ne dit pas si au-delà on stabilise le nucléaire ou si on continue à descendre, peu importe. Mais vous voyez que déjà, en fait, cet engagement paraît ambitieux et inatteignable parce que tout le monde dit on va pas fermer autant de réacteurs d'ici là. À l'inverse, il contraint d'ores et déjà à prolonger des réacteurs alors que la prolongation aujourd'hui n'est pas acquise. Toute l'instruction est devant nous. En même temps, on voit bien que si on prolonge l'ensemble du parc et qu'on décale la courbe bleue de 10 ans, on va se situer très au-dessus des points B et C. Donc il y a un vrai arbitrage à faire aujourd'hui sur, quand je disais tout à l'heure qu'il y a un échec à débattre de cette trajectoire pour le parc nucléaire, c'est pas juste un truc théorique, c'est que cette trajectoire devient vraiment cruciale entre des enjeux de sûreté nucléaire d'un côté, si on prolonge, d'autant plus si on prolonge dans des mauvaises conditions, et des enjeux de sécurité énergétique, si on arrête sans avoir assuré les investissements dans d'autres moyens de production. Alors, pourquoi on a ce phénomène ? C'est à cause d'un effet falaise sur le parc nucléaire, hein, qui est le fait que 80% des réacteurs, en gros, ont été démarrés entre 77 et 87. Et donc, on a l'échéance des 40 ans, en fait, elle est à la fois très proche. Le premier réacteur qui va passer un réexamen, c'est en 2018. Et en même temps, elle va être massive du fait de cet effet falaise. Et donc, au-delà de ça, il y a un vrai enjeu pour les autorités de sûreté et de contrôle, mais un vrai enjeu industriel aussi pour EDF. Grosso modo, la prolongation de tout le parc, ça correspond à 5 chantiers EPR, à un volume équivalent à 5 chantiers EPR en roulement sur le parc nucléaire. Et donc, c'est quelque chose qui, au vu des difficultés sur le chantier EPR lui-même, semble aujourd'hui très au-delà des capacités industrielles et financières d'EDF. Capacité financière, parce que si on regarde, et ça c'est
un graphique qui a fuité en fait d'une publication interne d'EDF, mais qui a été repris depuis par la commission d'enquête parlementaire, donc qui est publique maintenant. L'estimation d'EDF, alors eux ils donnent un chiffre de 55 milliards pour le grand carénage, c'est-à-dire pour la prolongation de tout le parc. En fait, la Cour des comptes s'est penchée dessus et a dit oui, mais 55 milliards en fait ils comptent pas tout. Et la Cour des comptes a dit avec les chiffres d'EDF c'est 110 milliards. Et puis y a d'autres évaluations, Wise Paris en avait produit une qui montre que si on est sérieux dans les exigences de sûreté, en rappelant que l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il faut que la prolongation au-delà de 40 ans se rapproche autant que possible du niveau d'exigence pour des nouveaux réacteurs, donc pour un réacteur type EPR, ça peut être encore plus cher que ça. Ça peut être jusqu'à 200 milliards, donc il y a un mur d'investissement énorme devant EDF pour prolonger son parc, et s'il ne prolonge pas son parc, il y a un besoin d'investissement énorme dans le système électrique de la même manière. Là, en ouais. Gris, le parc, c'était à peu près 200 milliards. Donc en gris, on a le parc... Ça, c'est le coût d'investissement du parc actuel. Voilà, c'est l'investissement dans le parc actuel. En jaune, on a... Ça veut dire, tout ça, c'est l'entretien, en fait, c'est ça? Non, ça c'est la création du parc actuel. Ah, c'est la création du parc. Et pourquoi il est marqué PIC 7 milliards? Parce que le point le plus haut d'investissement sur une année d'EDF a été de 7 milliards. D'accord, ok. D'accord. De 7 milliards 2010, 7 milliards d'euros 2010 à l'époque. Donc beaucoup plus relativement évidemment à l'époque. Et puis on voit que le PIC du grand carénage plus Fukushima. Fukushima, ça rajoute des contrats. Ouais, ça rajoute des coûts. Ce pic, il est pratiquement de même ampleur que le pic d'investissement initial. Et derrière, le pic pour renouveler le parc avec des EPR, même avec des hypothèses très optimistes sur le coût des EPR. Et encore plus faramineux. Toute la tache bleue, tu as une idée de ça? En valeur absolue, là, ça représente quoi? Alors, j'ai pas remis les chiffres, mais je les avais. Je crois que c'est 270 milliards la tache bleue. Voilà, c'est ça. Et la tache rouge, ça serait quoi? 100? La tache jaune, là, avec le pic, c'est les 110 milliards de la Cour des comptes. Ah oui, d'accord. Une des raisons pour lesquelles EDF. 25 à 50, c'est le futur investissement. Une des raisons pour lesquelles EDF donne 55 milliards, c'est qu'en fait, c'est un chiffre qui s'arrête en 2025. Donc ils ne comptent que, tu vois, ils disent le programme de grand carénage c'est 55 milliards, mais ils ne comptent pas tout le déploiement du grand carénage. Donc derrière ça, on a... Moi j'ai lu un peu partout que l'estimation de la Cour des comptes était contestée parce qu'elle était trop forte, ce qui à mon avis est faux. Mais alors pourquoi le bleu c'est encore plus fort? Alors le bleu c'est le renouvellement avec des EPR. C'est les futurs centrales. Le bleu, c'est le renouvellement avec des EPR. Alors, je disais que c'est avec des hypothèses optimistes. C'est renouvellement plus machin. Ben, en fait, on a ici, ça c'est l'historique du premier parc, de la construction du parc actuel. Ici, c'est l'investissement de maintenance et grand carénage dans le parc actuel pour le prolonger jusqu'à 60 ans. Inclut tout ce qui est noyau dur, Fukushima, etc. Et puis, la vision d'EDF, c'est qu'en prolongeant jusqu'à 60 ans, à un moment donné, il va quand même falloir fermer des réacteurs. Et donc, pour compenser les fermetures, c'est une vision de maintien de la capacité nucléaire actuelle. Avec un chiffre de 60 ans, quand même. Hein. Avec un chiffre de 60 ans sur le parc actuel. Comment on fait fonctionner Si je comprends bien, si on continue le nucléaire à capacité actuelle, mais avec à la fois un prolongement et un renouvellement, il faut additionner sur 60 ans toutes les couleurs. Il faut additionner 110 milliards et 270 milliards. Ce qui fait 380. Voilà. Le graphique que vous avez montré était basé sur une durée de vie à 40 ans, le front. Attends, excuse-moi. Ils n'ont pas intégré la probabilité d'un accident nucléaire là-dedans. Est-ce que ça inclut le démantèlement? C'est approvisionné. Non, ça n'inclut pas le démantèlement. Le démantèlement, c'est encore un coût supplémentaire. Minimum.
Mais la prolongation, ça sert à 500 milliards. Mais la prolongation, c'est une façon de repousser le démantèlement aussi. Enfin, derrière ça, il y a énormément de considérations compliquées sur les calculs de provisions, sur la, ça a des répercussions financières énormes. On n'a pas le temps de rentrer dans ce genre de choses aujourd'hui, mais ça fait partie de la négociation. Quand je pense que là, qui est donné, qui se transforme avec, qui fractionne. Je suis fier d'avoir un carrière. C'est hallucinant. En termes de gestion, ça s'est écroulé, mais c'est pas grave. Donc on a devant nous une contradiction fondamentale à résoudre. D'une part, la stratégie d'EDF, elle est à la fois périlleuse, évidemment, et antagoniste avec la transition énergétique, puisque périlleuse parce que EDF aborde les années à venir avec un mur industriel et financier dans des conditions de quasi-faillite, et problématique, puisque parallèlement, les gains en compétitivité des renouvelables et la surcapacité européenne menace la rentabilité des réacteurs, y compris, a fortiori, en cas de prolongation, qui va faire remonter les coûts de production. Et puis, à plus long terme, on a aujourd'hui l'émergence d'un modèle 100% renouvelable électrique crédible à l'horizon de quelques décennies en Europe, et de plus en plus d'acteurs qui s'engagent dans cette direction, et donc le risque de rendre le modèle industriel d'EDF totalement obsolète à l'horizon d'une dizaine d'années. Il y a un risque. C'est pas un risque, c'est une certitude. Non, Vas-y, remets-le. Aujourd'hui, un modèle 100% renouvelable, électrique, est crédible techniquement et économiquement. À l'horizon 2050. T'as des acteurs comme la banque suisse UBS qui a sorti à l'été dernier une note qui dit. Les moyens de production centralisés en base, ce qui vise notamment les grands réacteurs nucléaires, sont les dinosaures du système électrique de demain. D'accord. Donc il y a une vision qui n'est pas juste des écolos, tu vois, elle est de plus en plus partagée par le monde industriel et par le monde financier. La banque suisse, sa partie française, était dirigée par l'ancien président de l'EDF. Okay. Enfin, faire confiance. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, c'est la stratégie est obsolète. C'est un vrai modèle qui émerge. Et du coup, dans cette perspective-là, poursuivre, prolonger le parc de réacteurs et donc rester sur un modèle de grosse centrale en base. Et potentiellement suicidaire. Il y a l'ADEME qui a dit ça aussi. Bien sûr. Oui, l'ADEME. Et l'ADEME a dit que c'était possible de. Non, mais quand je dis ça émerge. Comme un truc renouvelable en plus. Quand je dis ça émerge comme un truc techniquement et économiquement faisable, ça a émergé déjà en Europe et maintenant c'est arrivé en France. Quel est le coût de cette transition vers le renouvelable? Moi j'avais entendu 600 milliards, je ne sais pas si. Non, écoute, moins cher que le renouvellement, c'est ce que dit l'ADEME. En fait, d'accord. Voilà, on a un coût devant nous dans tous les cas. Enfin, ça coûte cher quand même. On a un besoin de réinvestissement massif dans notre système électrique. Dans deux pays qui ne le font pas, c'est la France et l'Angleterre. Voilà. Au-delà de ça, on a une vraie contradiction de moyens et d'objectifs, puisque le projet d'EDF, s'il réussit, est contraire à la transition énergétique, et, y compris à ses objectifs chiffrés, et puis il est consommateur de ressources publiques qui vont manquer à la transition, et à l'inverse. Le scénario du pire d'un effondrement d'EDF menacerait gravement la capacité du système français à mettre en œuvre la transition énergétique. Donc il y a une vraie nécessité de recoller ce qui aujourd'hui apparaît être deux intérêts collectifs divergents, celui d'EDF et celui de la transition énergétique. Et donc on a EDF, cet objet qui est un objet hybride entre État et marché, c'est comme historiquement construit peut-être au nom de commun, mais qui aujourd'hui, par sa logique interne, menace les objectifs mêmes qu'il devrait servir. Derrière ça, j'ai quasiment terminé. Ça plaît au syndicat, ce que tu viens de dire. Oui, alors, la nouveauté, et c'est le droit d'alerte que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est maintenant d'accord sur le constat. Parce que moi, j'ai sorti pour Greenpeace, par exemple,
au printemps un rapport qui titre sur l'impasse industrielle de la filière nucléaire française. Aujourd'hui, les syndicats, dans leur communiqué commun, ils parlent aussi d'une impasse industrielle. Donc on commence à converger sur le constat. On n'est évidemment pas d'accord du tout, probablement sur les causes, et encore moins sur les solutions, mais on commence à avoir un terrain, disons, de discussion commun, et pour moi c'est vraiment fondamental qu'on le développe. C'est aussi dans ce sens-là que je vous amène cette réflexion, parce que voilà, moi ça fait partie de mon agenda d'expert dans la perspective de la prochaine présidentielle. Je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment porter et construire politiquement, faire mûrir pour avoir des visions claires sur la table à l'horizon de la présidentielle. Je pense que ça fera partie des sujets, en tout cas si on parle d'énergie pendant la campagne présidentielle, je pense que ça sera autour de cette question des modèles et notamment d'EDF et pas sur les orientations de politique énergétique. Je reviens du coup, ayant posé ce constat de contradiction, à la situation à l'issue du processus de préparation et de vote de la loi sur la transition énergétique. Une phrase que j'aime bien, c'est de dire que l'énergie fait système et que ce système fait société. Autrement dit, la transition énergétique, derrière la mise en œuvre de l'approche que j'évoquais tout à l'heure, c'est non seulement une transformation en profondeur du système énergétique, mais par là même, une transformation en profondeur des modes de production et de consommation, et donc, en réalité, politiquement, ça appelle un projet de société. Ce projet de société, comme c'est une transformation, elle fait des gagnants et des perdants, et que donc le projet de société est nécessaire à définir collectivement pour ensuite discuter de la régulation, et l'État évidemment a un rôle important à jouer dans cette régulation de l'effort et des bénéfices liés à la transformation. Et aujourd'hui, force est de constater que la France n'a pas posé vraiment le cadre de cette régulation et que probablement elle ne l'a pas fait parce qu'il y a un blocage politique dû à cette situation impossible d'EDF. L'échec donc de ce processus, l'échec en un sens de ce processus DNTE et loi transition énergétique, c'est qu'il n'a pas permis de construire via le débat ce projet de société autour de la transition énergétique. Je trouve ça intéressant à ce stade d'évoquer juste très schématiquement, Gilles a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, la situation d'autres pays. Je pense que l'Allemagne, autour de son projet d'Energiewende, elle a justement un projet de société commun qui permet maintenant une vraie dynamique, qui permet de l'innovation, qui permet de la régulation. Et elle l'a trouvé dans le registre écologique, dans quelque chose qui est de l'ordre du rapport à la nature. Culturellement, pour la société allemande, c'est quelque chose qui a fait sens et qui a agrégé ensuite des questions d'intérêt économique des entreprises, par exemple pour exporter de l'éolien, mais aussi un intérêt social. L'Energiewende, au départ, c'est Schröder, enfin, c'est la coalition de Schröder, du SPD et des Grünen. Et ce qui a été décisif pour l'accord politique sur l'Energiewende, c'est la position des syndicats qui ont dit oui, on y va parce que ce projet de transition énergétique, il est porteur de création d'emplois locaux non délocalisables et dans des structures économiques moins capitalistiques, donc plus favorables aux salariés. Aux États-Unis, par exemple, clairement, le ressort qui est recherché aujourd'hui pour un projet de transition énergétique, il est dans le registre économique. Là, je renvoie par exemple aux travaux d'Amory Lovins, hein, qui dit les États-Unis peuvent aller vers les 100% renouvelables avec 150% de croissance et sans aucun acte du Congrès. Voilà, ça c'est le ressort qu'ils peuvent peut-être trouver. Je pense qu'aucun de ces deux registres ne peut fonctionner pour nous donner en France le levier de la transition énergétique, et je pense qu'au contraire, il faut qu'on aille le chercher peut-être plutôt dans le registre social. Hop là, c'était quoi ? Et je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais c'est j'arrivais à mon dernier transparent. C'est quoi cette œuvre magnifique ? Désolé.
Voilà, donc mon idée, c'est que probablement ce projet possible de transition énergétique qui fait sens pour la société, il est à chercher du côté peut-être de ces fondamentaux du Conseil national de la résistance, etc., ce qui est autour de cette idée de service public, que ça sera, ça se construit et raconte probablement autour de ce projet de fourniture de services énergétiques intelligents, avec tout ce que j'y mettais derrière, ce que je mettais derrière tout à l'heure, et que si on va dans ce sens-là, bah, en fait, il y a un rôle potentiellement évident pour EDF, qui, au lieu d'être le producteur d'électricité, pourrait être chargé de cette mission de service public, de fourniture de services intelligents, en s'appuyant sur ses actifs industriels, mais plutôt de réseau que de production, en s'appuyant sur son fort ancrage territorial à travers ERDF, sur sa culture de service public qui lui reste malgré tout, au niveau d'une partie de son personnel, et que bah, on pourrait derrière ça envisager la refonte d'un contrat social entre EDF et la nation, qui réconcilierait à la fois l'intérêt de la transition énergétique et la nécessité du sauvetage d'EDF, et face à cette hypothèse ou cette piste de réflexion, bah, le constat dans lequel je suis, c'est que l'impasse nucléaire dans laquelle s'est enfermée la stratégie d'EDF et la fermeture idéologique autour de ce choix, aujourd'hui, bloque politiquement la mise en débat d'un projet de ce type.